Histoire du soir pour filles rebelles. Sans destin de femmes extraordinaires. Préface. Ce livre compte beaucoup à nos yeux pour plusieurs raisons. Certaines sont évidentes. Le montant record que nous avons reçu grâce au financement participatif, plus $1 million, Histoire du soir pour filles rebelles est le livre qui a récolté le plus de fonds de toute l'histoire du crowdfunding. Le nombre incroyable de personnes qui nous ont soutenus dans plus de 70 pays, ainsi que le privilège d'avoir travaillé avec des douzaines d'artistes extrêmement talentueuses issues du monde entier. Toutefois, d'autres raisons le sont moins. Les messages de futurs parents nous informant que ce livre est le premier qu'ils ont acheté pour leur fille. L'ami d'une amie à qui cette campagne a donné la confiance nécessaire pour se lancer dans un projet qui lui tenait à cœur mais qu'elle avait mis de côté par peur d'échouer. L'email d'une maman ravie d'avoir un livre qui l'aide à partager sa vision du monde avec ses trois fils, non pas en tant que mère mais en tant que femme. Par-dessus tout, la grande confiance que nos supporters nous ont accordée. Ce n'est pas tous les jours que les femmes bénéficient d'autant de confiance. Nous ne le tenons pas pour acquis. Comment le pourrions-nous ? La plupart des femmes extraordinaires qui figurent dans ce livre n'ont jamais bénéficié d'une telle confiance. Qu'importe la valeur de leurs découvertes, l'audace de leurs aventures, la profondeur de leur génie, elles furent constamment rabaissées, oubliées et parfois presque effacées de l'histoire. Il est important pour les filles de comprendre les obstacles qui les attendent. Il est tout aussi important qu'elles sachent que ces obstacles ne sont pas insurmontables. Qu'elles peuvent non seulement les franchir, mais également les éliminer pour celles qui lui suivront, comme l'ont fait certaines de ces grandes femmes. Chacune des 100 histoires de ce recueil démontre qu'un cœur confiant a le pouvoir de changer le monde, que ces courageuses pionnières t'inspirent, que leur portrait inculque à nos filles la ferme conviction que la beauté se manifeste sous toute forme et couleur ainsi qu'à tout âge. Que chaque lectrice connaisse l'immense succès d'une vie pleine de passion, de curiosité et de générosité. Souvenons-nous chaque jour que nous avons le droit d'être heureuses et d'explorer le monde à la folie. Maintenant que tu tiens ce livre entre tes mains, nous ressentons de l'espoir et de l'enthousiasme pour ce monde que nous construisons ensemble. Un monde où nos rêves et les choses que nous pourrons accomplir ne seront pas limités par notre sexe. Un monde où chacune d'entre nous pourra dire avec aplomb « Je suis libre ». Merci de participer à cette aventure. Elena Favilli, Francesca Cavallo.